vous les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour être là, je comptais pas du tout filmer aujourd'hui. Mais ce matin, je parlais avec une de vous sur Insta qui me disait: Touria, j'aime trop ce que tu fais sur YouTube, j'aime trop te suivre et tout. Et à chaque fois que tu fais du rangement, tu nettoies la maison et tout, ça me motive, ça me fait bouger, tout ça. Comme aujourd'hui, je compte en fait ranger les éléments dans la cuisine. Voilà, tout faire propre, remettre dans les bocaux, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Si ça vous motive, eh bien c'est un plaisir pour moi. Le four, je ne l'ai pas fait depuis, depuis le ramadan. Il s'est enchaîné après, donc les préparatifs des gâteaux, après tout ça. Je n'ai pas nettoyé, vous allez voir, il est dans un sale état. Ouais, ça va être du frottage, du hoc. On va hoc aujourd'hui. Let's go les filles, c'est parti. On entame cette vidéo. Bon. Un petit peu de rotation, malheureusement j'ai jeté quelques épices sur lesquelles j'avais des doutes sur l'odeur ou quoi que ce soit. Alors ce que je fais aussi, c'est que je range par couleur les épices. Je trouve ça plus, enfin déjà visuellement plus joli, et puis même pour moi c'est plus facile comme ça de me repérer lorsque j'ai besoin. Et voilà les filles, dans l'ensemble ce que ça donne au niveau des épices. Ensuite les filles, par là je vais m'attaquer à tout ce qui est pâtes, légumes secs, voilà tout ça. Et troisième partie, il restera tout ce qui est farine, fécule de maïs, enfin vous allez voir tout ça en vidéo, je vous montrerai après.
puis là je vais attaquer ce placard-ci. J'ai déjà commencé, mon dieu, regardez, tout est par terre. J'ai déjà commencé à sortir donc les panières. Voilà, je vais commencer à trier, à faire de l'ordre. Mon dieu, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Tout ce qui nous sert en fait pour le petit déjeuner et le deuxième bac en chocolat, petit tanka, tout ce qui est sucrerie. Voilà. Alors les filles, je vous montre ce côté-là du placard, il est fini. Donc comme je vous disais, cette panière contient tout ce qui est petit déjeuner. Là c'est tout ce qui est voilà chocolat, petit tanka. J'ai les noix, les amandes, les dattes. Par là j'ai encore une boîte de dattes. J'ai pas pu la mettre au-dessus parce que la boîte est trop grande. Et par ici les filles, j'ai pas grand-chose. Donc là j'ai mis donc le sucre en poudre. Et par là c'est du café comme ça. Moi je m'en sers pas. On a la machine. Comment dire, on a la machine pour faire le café, désolé, je perds mes mots les filles. Mais c'est juste au cas où, voilà, au cas où je tombe en panne parce que j'ai une cafetière après. C'est, voilà, au cas où j'en aurais besoin. Voilà, une petite pause, s'impose. Je vais aller me faire quelque chose à manger parce que j'ai très faim. Et on poursuit ce gros rangement de cuisine. C'est parti. Je vous reprends, je crois, un peu plus d'une semaine, 10 jours après le début de la vidéo. Celles qui ont vu mon vlog précédent, je vous avais dit en fait que mon appareil photo ce jour-là, le jour où je vous filmais, donc... ce fameux nettoyage de la cuisine, mon appareil photo s'est cassé la gueule. Du coup donc j'ai racheté notre appareil photo et donc j'ai décidé tout simplement de poursuivre la vidéo. Ça aurait été dommage voilà de s'arrêter là, surtout que j'avais fait quand même le plus gros. Et ça s'est arrêté au moment où je nettoyais le four. Donc là ce que j'avais fait ce jour là j'avais quand même en fait nettoyé le four pas comme j'aurais aimé, pas en profondeur. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais remettre de la mousse, remettre le four à chauffer, pardon, comme ça la mousse avec la chaleur ça va agir justement sur la saleté, la moisissure, sur les taches et tout, comme ça ça me permet moi un nettoyage beaucoup plus facile. Et ce jour là j'avais pu attaquer, donc là j'ai un placard qui a deux compartiments, j'avais pu faire du coup le compartiment de tout ce qui est petit déjeuner, tout ça. Je vous avoue que ça a un petit peu bougé, voilà, on est à quand même 10 jours après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mais juste propre, parce que c'est, voilà, c'est propre, mais juste remettre un petit peu d'ordre. Et sinon le placard où je mets je sais pas ce que je mets parce qu'il y a à boire et à manger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir, laver et replacer ça bien, bien proprement, correctement, tout ça. Et grosso modo, il reste le four à faire. Je vais également envoyer la vaisselle. Là, voilà, il y a la... Quoique, il n'y a pas grand-chose. Non, je vais sortir en fait la vaisselle parce qu'il y a 2-3 verres qui se courent après, 2 cuillères. Je vais sortir cette vaisselle sale du petit déjeuner. Et je vais nettoyer également le lave-vaisselle et faire, voilà, le... Ah oui, non, c'est pas fini. Parce qu'il reste les tiroirs à faire, des assiettes, des verres, tout ça. Il est déjà 11h20 donc c'est parti. Let's go! Thank you.
un peu ce que ça donne au niveau du rangement. Donc là j'ai fait un bac où j'ai mis vraiment que les emporte-pièces. J'en ai vraiment beaucoup, j'en ai pas mal, mais comme vous le savez, j'aime bien faire des gâteaux. Par là j'ai mis donc tout ce qui est caissette, poche à douille, là c'est tout ce que voilà qui concerne les gâteaux, donc levure chimique, les colorants alimentaires. Là par ici j'ai des amandes filées, tout ça. Bah, déjà c'est beaucoup plus rangé, beaucoup plus propre. Voilà. Voilà les filles, je les ai rangées de cette façon là. Là j'ai retrouvé un pack de des embouts. Pour la poche à douille, je l'avais acheté juste avant l'Aïd et je m'en suis jamais servi. Donc voilà, je vais le mettre avec. Voilà, donc là c'est tout ce qui concerne préparation de gâteau. L'état actuel de la cuisine, il y en a partout. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé vraiment tous les tiroirs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les protèges tiroirs. Je vais les envoyer à laver dans le lave-vaisselle. Alors ce que je vais faire aussi pour m'avancer un petit peu, donc je vais allumer le four, je vais l'envoyer donc à 50 degrés. Je vais mettre la mousse d'abord. J'allume le four à 50 degrés, je laisse agir la mousse. Pendant ce temps là je vais m'attaquer au nettoyage des tiroirs. Je vais également trier ces deux corbeilles que vous voyez par ici. Voilà. Voilà, le four est entièrement nettoyé. Là vous voyez un petit peu de taches, enfin c'est pas vraiment des taches comme celle-ci là, c'est des marques. Alors là les filles, j'ai préparé un petit récipient comme ça que je vais envoyer au four.
Donc j'ai mis un petit peu d'eau, j'ai mis quelques tranches de citron par-dessus, j'ai mis quelques petites branches comme ça de clou de girofle. En fait, j'ai envoyé ça dans le four parce que tout simplement la mousse, elle est. C'est toxique en fait, l'odeur est très 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 forte. Je vous conseille même de mettre une paire de gants si jamais vous utilisez la même mousse que moi. D'ailleurs, je vais vous la montrer, je sais plus si je vous l'ai montré précédemment ou pas. Et même si vous avez un masque, les filles, mettez un masque. Franchement, on est habitué au masque maintenant, j'ai envie de vous dire, parce que c'est hyper toxique. Moi, j'avais même les yeux qui brûlaient, et c'est après avoir terminé de nettoyer le four, c'est là où je me suis dit, mais j'aurais quand même pu porter un masque, sachant que j'en ai à la maison. Enfin voilà, aérer pendant que la mousse est en train d'agir lorsque le four il est allumé, et aérer quand même lorsque vous êtes en train de nettoyer, parce que franchement c'est très 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 fort au niveau des odeurs. Donc voilà, je vais envoyer ça histoire d'enlever un peu cette odeur qui reste, même si j'ai bien nettoyé, j'ai bien rincé avec de l'eau. Je suis également passée avec un petit peu de, j'ai mis un petit peu de vinaigre blanc dans du torchon, mais voilà, je préfère quand même envoyer ce mélange là pour purifier l'air du four. Voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's a sensation. I live my life in my head like a narration. Bon alors les filles, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau des tiroirs. J'ai le tiroir du haut, le tout premier en fait. Je sais pas si vous voyez ou pas, l'épaisseur elle est pas énorme, donc du coup je peux pas mettre grand chose. Je me limite à chaque fois au niveau des assiettes, comme là par exemple je peux en mettre que 4. Là j'en ai mis combien, 4 plus 2, oui 2, donc ça fait 6. Voilà, je peux pas, c'est pas comme ce tiroir là, attendez je vous montre. Lui il est beaucoup plus beaucoup plus haut, du coup c'est beaucoup plus pratique. Là tout en haut j'ai mis donc les assiettes. Après en soi j'ai rien changé au niveau du rangement. J'ai juste nettoyé, j'ai fait du tri, j'ai enlevé pas mal de choses, notamment là au niveau des verres. Je me suis rendu, désolée pour le bruit les filles, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de verres, on n'est que 3 à la maison. Bon Lilou il a ces deux verres là, il a un verre à eau aussi avec une paille, un petit verre voilà, en plastique. Mais mon mari et moi on se sert toujours des mêmes verres, et on avait tendance, toute cette partie là, toute celle-ci, elle était remplie de verres, donc j'en ai enlevé pas mal. J'ai laissé que voilà l'essentiel, comme là c'est de là pour le café noir. J'ai laissé donc 3 mugs voilà, pour le petit déjeuner, les verres de Lilou, et j'ai donc les verres à eau qui sont dans le lave-vaisselle. Mais voilà, pas besoin d'avoir, franchement des fois on achète, surtout moi il faut vraiment que j'arrête de consommer niveau vaisselle, j'achète à chaque fois. Je me répète, on n'a pas besoin de tout ça pour vivre, j'ai envie de dire. Pareil, donc dans le compartiment à couvercle, j'ai enlevé pas mal de choses, j'ai laissé que l'essentiel. Ce que j'ai fait les filles dans le rangement d'aujourd'hui, c'est que j'ai laissé la vaisselle en fait qui nous sert au quotidien. Tout ce qui est occasionnel, tout ça j'ai enlevé. Ça c'est vraiment pour tous les jours. Et donc le tiroir du bar,
du bas. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis un petit peu tout ce qui est, voyez, robot, au mixeur. Là, j'ai le rouleau à pâtisserie. Cette petite courbette, donc elle contient les sacs poubelles, sacs de congélation. Par ici, j'ai mis deux plateaux. Alors, je vous avoue que c'est pas là que je range mes plateaux, mais ça, c'est les plateaux qui me servent, disons. Voilà, lorsque je fais souvent des gâteaux, donc c'est toujours ce moule là. Et celui-ci, je le mets de côté parce que je vais en avoir besoin prochainement pour le goûter pour l'école de Lilou. Et cette boîte que vous voyez par ici, les filles, c'est ce qui est vendu en fait. C'est ce qui vient avec le e-compagnon. Donc il y a différents, vous voyez, le couteau, il y a pour mélanger. Enfin voilà, tout est rangé ici, c'est plutôt pratique. Voilà! J'avais commencé proche des 11h, je crois qu'il était 11h20, 11h15, quelque chose comme ça. J'ai tout fait, sauf les vitres, parce que je pensais avoir du produit en fait pour nettoyer les vitres, mais je n'en ai plus. Et le frigo, je ne l'ai pas fait parce qu'on a fait ça avec mon mari dimanche, ça fait 2 jours, donc voilà, il est propre. Sinon, je voulais vous parler des 3 produits que je vous recommande juste les yeux fermés, qui m'aide à chaque fois lorsque je nettoie comme ça profondément la cuisine, parce que je n'ai pas fait de focus, enfin je me suis pas arrêtée sur les produits à chaque fois que j'ai utilisé un produit, je vous le montrerai pas en vidéo, donc je me suis dit que je ferais ça à la fin. On va commencer par la mousse d'Ecapour, je pense que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, croyez-moi, vous passez à côté de quelque chose. Elle est vraiment géniale pour nettoyer le four, vous avez vu les grilles aussi, le plateau pour les plateaux qui vont au four en général.
Voilà, le seul truc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est hyper, hyper nocif, c'est très très fort au niveau de l'odeur. Donc voilà, en utilisant, il faut aérer et également penser à porter une paire de gants et si vous pouvez un masque, c'est le top. Autre produit les filles, c'est celui-ci, j'en ai presque plus. C'est le produit de chez Carolin au savon noir. C'est du savon 100% végétal tout simplement, je nettoie avec. Si vous avez une cuisine, enfin des meubles comme ça, laqués comme ce que j'ai moi à la maison, il vous les sort juste comme ça, d'une brillance juste incroyable. Il nettoie les taches, il enlève le gras, enfin vraiment il est juste génial. Le seul truc c'est que nettoyez avec de l'eau, mettez de l'eau en fait, parce que ça mousse pas mais ça a quand même un petit côté moussant. Et venez repasser une deuxième fois en fait avec une lavette bien propre, rincer le produit. Sinon honnêtement il m'a jamais laissé de traces. En tout cas c'est comme ça que je procède pour nettoyer. Donc voilà, je nettoie avec le sol et les meubles dans la cuisine. Autre dernier produit les filles, c'est celui-ci. C'est le produit AVS qui vient de chez Action. Il coûte 3 fois rien. Franchement, il coûte peut-être 1,90€, 2€ grand maximum. En fait, moi, je vais venir l'utiliser une fois que je nettoie bien donc mon lavabo. En dernière touche, je viens mettre du spray. Parce qu'en fait, mon lavabo à moi, il est en inox. Et ça permet vraiment d'enlever, pas du rouille, parce que moi, mon lavabo, il rouille pas. Mais voilà, ces tâches qu'on a du mal à enlever au quotidien, ça enlève le calcaire. Enfin, vraiment, vous retrouvez un inox tout propre, que ce soit sur du lavabo ou autre. En robinet, si vous avez un four en inox, peu importe, vraiment vous retrouvez votre inox tout propre. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà les filles, je vous montre, regardez par vous-même, la brillance juste incroyable. Plus de taches, pas de calcaire, rien du tout. Mon lavabo vraiment, vraiment il brille. Juste top, ce produit il coûte pas cher du tout. Voilà les filles, je pense avoir fait le tour avec vous. Je vous ai présenté moi les produits que j'ai utilisés pour nettoyer cette cuisine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura motivé. Je vous embrasse, des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.